Je suis le grand marabout, protecteur du continent camerounais. Je vous avais bien dit que je ferai tout, j'appellerai tous mes esprits, mes ancêtres, parce que c'est moi qui les représente sur terre. Je ferai tout pour que le Cameroun gagne le Brésil. Vous voyez? Vous voyez? Qu'est-ce que le Cameroun vient de faire au Brésil? La victoire. Ce qui m'énerve, c'est que vous, le peuple camerounais, vous ne croyez pas en moi. Pourtant, c'est moi le protecteur du continent camerounais. Vous ne croyez pas en moi. C'est ce qui m'énerve. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord fait que la Suisse vous tape. Je pouvais bien faire que le Cameroun gagne la Suisse. Mais depuis que je me prononce comme protecteur du continent camerounais, vous ne croyez pas en moi, vous dites que je suis un blagueur. Vous ne croyez pas en moi. J'ai donc fait que la Suisse vous tape d'abord pour que vous sachiez que ça ne vous donne rien. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez commencé un peu à m'apprécier, j'ai vu que vous fassiez match nul avec la Serbie. Pour vous montrer pour ma puissance, la quintessence de mes révérences. Maintenant, quand vous avez pleinement cru en moi, c'est à la dernière minute que vous venez pleinement croire en moi. Et je vous donne la victoire contre le Brésil, la plus grande nation de football. Cette fois champion du Coupe du Monde. Mais ne vous inquiétez pas. Le Cameroun va rapporter cette Coupe du Monde. Ne vous inquiétez pas. Vous croyez qu'ils vont rentrer du Qatar demain? Oui, effectivement, ils vont rentrer du Qatar demain avec leur valise. C'est vrai. Mais le match, ce n'est pas le match que vous regardez à la télé, là. Le match est spirituel. Le match continue. Dans le monde spirituel, le Cameroun est qualifié. Et je ferai tout et petit pour qu'il gagne cette Coupe du Monde. Je ferai tout et petit pour qu'il gagne cette Coupe du Monde. Je suis le grand marabout protecteur du peuple camerounais. La personne qui s'apprend au Cameroun aura affaire à moi. Ce ne sont pas les histoires. Ce sont mes histoires. Mes pauvres Camerounais, croyez en vous. C'est ce de vous dénigrer. C'est ce qui me touche. C'est ce qui diminue ma puissance. Quand le peuple Camerounais ne croit pas en soi, c'est ça qui diminue ma puissance. Plus vous croyez en vous, plus ma puissance augmente. Plus je peux vous protéger comme il le faut. S'il vous plaît, croyez en vous. Si dès le départ vous croyez en vous, c'est que dans le monde physique, on est qualifié. Mais ne vous inquiétez pas dans le monde spirituel, parce que le match se joue spirituellement aussi. Ne voyez pas seulement la télé, tout ça. Mais on va gagner la Coupe du Monde dans le monde spirituel, parce qu'ils sont qualifiés, hein, dans le monde spirituel. Croyez en vous. Croyez en moi surtout, parce que je suis le grand marabout protecteur du continent camerounais.